La deuxième conquête en moins d'un an aura été la bonne pour Yannick Gourde. C'est exceptionnel ce qu'on vit aujourd'hui. Là, c'est le fun de pouvoir partager ça avec notre monde. Cette fois, l'attaquant de 29 ans était bien décidé à faire profiter les gens de chez lui de sa journée avec la Coupe Stanley. C'est toutes les personnes qui m'ont supporté depuis que je suis jeune, puis je pense que tout le monde mérite de passer un petit moment avec la Coupe. Premier arrêt, l'entreprise de son beau-père à Sainte-Marie pour un bain de foule sous l'œil attentif d'employés du Temple de la renommée du hockey qui accompagne la Coupe Stanley en tout temps. There's definitely rules. Yanni has a lot more that he's able to do, obviously, because his name's on it. He's able to drink out of it, he can hoist it above his head. Other people, we ask, you know, you can touch it, take pictures with it. Mais Yannick Gourde savait déjà que la vraie fête l'attendait à Saint-Narcisse-de-Beaurivage. Pour la première personne qui voulait prendre la photo avec la coupe, il s'est présenté à 4h40 ce matin. Fait que clairement, il veut une photo. Go, Yannick! Go! Go, Yannick! Go! Il la mérite, la coupe, et on mérite de l'avoir ici à Saint-Narcisse. On l'a supporté pendant au-delà d'une décennie. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je voulais voir Nigun puis je voulais prendre une photo avec. Saint-Narcisse, là, ben, elle veut pas, c'est sa place natale, là, tu sais, je veux dire. Fait que tout le monde connaît Yannick. La quasi-totalité des 1000 habitants de la municipalité semblait réunie pour célébrer le héros local devant le centre sportif rebaptisé en son honneur. Gagner deux coupes Stanley, ramener ça dans son village natal. Fait que c'est grandiose, là, on va dire, on peut pas demander mieux que ça, on voulait demander quoi, là? On a la température idéale, la journée idéale. Tout est beau, tout est parfait, tout est merveilleux. Une journée parfaite couronnée par un défilé de la Coupe Stanley dans une mer de gilets du Lightning. Une scène particulière pour l'attaquant maintenant membre du Kraken de Seattle. Honnêtement, pour aujourd'hui, je pense que j'étais encore un Lightning du Tampa Bay. Puis demain, je tourne un Seattle Kraken. Je pense que c'est censé la façon de le voir. Je suis super excité, honnêtement, de joindre le Kraken. Dans le gilet du Kraken ou du Lightning, une chose est sûre, Yannick Gourde est maintenant un immortel à Saint-Narcisse-de-Beaurivage.